Coucou, j'espère que vous allez bien. La recette que je vais partager avec vous ce soir, c'est de la sauce aubergine à ma façon avec du riz basmati. Pour commencer, vous aurez besoin de la viande de poulet. Ici, j'ai découpé la viande de poulet et j'ai mis dans la casserole. Pour les autres ingrédients, vous aurez besoin de la tomate, 4 tomates et un oignon. Ici, j'ai mon bouillon d'assaisonnement bio que je vais assaisonner la viande. Maintenant, je vais rajouter une cuillère à café de tomates purées. Si vous êtes nouvelle sur ma page, n'oubliez pas de vous abonner, partager, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. J'avais partagé une astuce comment conserver les aubergines blancs et voici le résultat que je vais utiliser aujourd'hui et vous montrer. Maintenant, j'ai rajouté juste un peu d'eau. Je vais couvrir et porter à l'ébullition juste 5 à 10 minutes. Et voilà, après 10 minutes de cuisson, je vais rajouter le mélange de l'oignon et de la tomate que j'ai écrasé dans le mixeur. Ensuite, j'ai rajouté 3 cuillères à soupe d'huile. Il faut couvrir et laisser mijoter à feu doux juste 3 minutes. Après 3 minutes de cuisson, je vais rajouter un demi-verre d'eau. Il faut rajouter l'eau selon la quantité de la sauce. Maintenant, je vais rectifier l'assaisonnement, le bouillon d'assaisonnement. Il faut salir à votre goût. Et voici les aubergines que j'avais précuites et attachées. Voici le résultat. J'ai fait sortir le matin pour décongeler. Maintenant, je vais rajouter l'aubergine que j'ai précuite et écrasée. Maintenant, il faut juste mélanger le tout et couvrir. Laisser mijoter à feu doux jusqu'à cuisson. Je vais accompagner avec du riz basmati. Vous pouvez accompagner avec du foutou. Ou du foufou. Et voilà, ma sauce et aubergine au poulet est prêt. Merci de regarder la vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles recettes. Rendez-vous dans une autre vidéo. N'oubliez pas l'inscription de la formation continue. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous. Bye.